Coucou, j'espère que vous allez bien. La recette que je vais partager avec vous, c'est des croquettes ou amuse-bouche. Très simple et facile à réaliser. Des croquettes au poivre salé. Très simple et délicieux. Allons-y pour la préparation. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de farine, 50 g de beurre, une cuillère à café de poivre noir moulu, 200 ml d'eau. Et vous aurez besoin du sel, le sel à votre goût. Maintenant, pour commencer, je vais délayer le sel avec l'eau. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Maintenant, je vais rajouter le beurre. Je rajoute le beurre dans la farine. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de poivre noir moulu. Maintenant, je vais rajouter l'eau au fur et à mesure en mélangeant. Il faut bien travailler la pâte. Vous pouvez faire le mélange au robot ou à la main. Il faut bien travailler la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La recette est très simple et délicieuse. Vous pouvez réaliser pour recevoir vos invités le jour de la fête. Voilà. Maintenant, je vais étaler et découper. La pâte n'a pas besoin de repos. Maintenant, dans mon plan de travail, il faut saupoudrer un peu de la farine et diviser la pâte en deux et étaler. Découpez la forme que vous voulez. Maintenant, je vais étaler la pâte. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Et voilà, j'ai juste utilisé ça pour faire les modèles. Si vous n'aviez pas cette coupeuse, vous pouvez juste utiliser une fourchette pour faire le modèle. C'est pour que ça soit un peu joli. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Maintenant, il faut découper la forme que vous voulez. Maintenant, on va passer à la friture. Il faut déposer la poêle au feu et rajouter l'huile de friture. Il faut laisser l'huile chauffer un peu avant de les frire. Et voilà. Il faut les frire et laisser dorer. Ça doit être croustillant. Voilà, mes croquettes ou amuse-bouche est prêt. Merci de regarder la vidéo. La recette des crevettes est disponible sur ma page. J'ai partagé il n'y a même pas 3 jours. Vous pouvez retrouver la recette. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une autre vidéo. Bye!